Ça va ? On a le bonjour, bon réveil, bon retour. Bon, je suis de retour à la maison. Mon stream m'a manqué. C'est bon là. Deux semaines hors de chez moi, quasiment. Et c'est moi. Maintenant, on reste à la maison. Donc Gore c'est fait, Marcus c'est fait, tournage YouTube c'est fait. Et entre deux, j'ai trop bu, j'ai trop mangé. Je me suis mis une caisse. Oh, ça faisait un moment. Hein. On voulait se finir au pied de cochon. Et on arrive au pied de cochon et c'était en mode, oui, non, il y a inspection sanitaire, c'est fermé. Alors est-ce que c'était pas une excuse en mode, ils nous ont vu arriver de loin, ils ont vu qu'on était pété. Et ils ont dit non, on a fini dans un vieux boui-boui tenu par deux vieux monsieur, genre soixantenaire. Où j'ai mangé un couscous merguez à 3h du matin. Il y avait vraiment deux tables qui avaient 50 ans, aussi vieilles qu'eux. Un mal de tête. J'ai trop bu, trop mangé. Gore, et tout, Kozulteuf. Kozulteuf, calme, vu qu'on regardait Hanouna. On s'est fait chier. Et Intou, prendre le train à 11h, donc compliqué, prendre le train à 11h, quand on n'a pas beaucoup dormi. Et là je reviens hier 17h. Je me couche à 19h, je me réveille ce matin à 8h du matin, voilà, en légende. Et on est là, on est reparti. Là, vous allez bouffer du let's play, de la découverte de jeux indés pendant 2 mois. Je ne veux plus entendre parler de déplacement, plateau, prévoir des trucs. Non, m'en fous. Vous annulez tout. Tout ce que vous pensez que je vais faire, vous annulez tout. Là, vous allez bouffer de l'OP et du stream sur Pipi Caca Simulator. Moi, je n'utilise pas mon temps de cerveau pour autre chose que juste jouer à des jeux vidéo. Aujourd'hui, on avait dit Russian Village Simulator. Si votre carte graphique est inférieure à la série 30, nous vous recommençons de définir en performance. Ça sent pas bon, hein. Je vous le dis. Quand on dit qu'il faut au moins une 3000, c'est que ça pue, hein. C'est que le jeu, il est pas opti, rien. C'est ta maison. Ça, c'est ma maison, enculé de ta mère. Le frère de grand-père Maxime. Et voici votre potager, vous pouvez y faire pousser des légumes. La musique, là. J'ai déjà envie de m'exposer le crâne. Poule! Poule. Les aigles du Gondor, d'accord. C'est bon, je peux jouer? Oh, coq. Fat coq. Un gros coq. En français. Oh putain. On va se faire écraser. Ah bah oui. Ah non, c'est bon. J'ai cru qu'il allait repartir tout au début. Ah bah oui. Mais c'est long, là. Ouais, mais il est grand, le village, là. C'est trop grand. Ah, puis on va aller voir le clodo du coin, en plus, quoi. Ah, Grégory, acheter des animaux. Mais je sais pas si j'ai envie de lui acheter des animaux, Grégory. Il a pas l'air... Hein? Oui. Il est de retour, Mingasm. Il est de retour, puis il est là sur un grand jeu, hein. Non, c'est surpassé. Ah, mamie. Oh, il y a des quêtes de partout. Discothèque du village. Oh, le délire. Ah, boutique Alexivna. Alexivna, ça a pas l'air d'aller, hein. Ça va? Oui, bon. Comme ça, tu n'as plus de pain. J'ai mangé mon pain et ça m'a donné rien. Quoi? Allô? Je suis fatigué, j'ai besoin de me reposer. Mais t'es par terre dans tes concombres, il pleut. Repos. Idiot! C'est normal en Russie? Mais c'est quand? Ah, c'est que c'est la nuit. Oh putain, la nuit, d'accord, c'est ça. Oh oui, c'est d'accord. C'est pas la nuit, ça, c'est... Au secours. C'est la fin du monde. Je peux plus courir, je peux plus rien faire. Comment on fait pour dormir? Genre, même par terre, là, je veux bien dormir par terre, moi. Oh, la musique. Un banger, hein. Ah, est-ce que je vais m'écrouler avant d'arriver chez moi? Oh oui, c'est bon. C'est le soir, vous pouvez allumer la lampe de poche en appuyant sur F. F comme lampe. En vrai, Paris, c'était bien, hein, quand je vois... Finalement, je vais retourner à Paris, hein. C'est pas interdit, les jeux de Russie? Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont en guerre? Mais du coup, les États-Unis, tous les jeux qui sortent des États-Unis, on arrête aussi, ou... Coucou. Putain, on a regardé Hanouna après Game of Thrones, là, comme tout le monde, hein, comme la moitié de la France. Oh, c'était naze. Mais c'est terrible de se dire que c'était que des dingueries. Mais on trouve ça normal. Enfin, non, on trouve pas ça normal, mais c'est que ça étonne personne, tu vois. On est même pas choqué, mais on en est là, quoi. Faut y envoyer Élise Lucet, hein. Hanouna ou Antoine Daniel? Antoine Daniel. Ah, et ma voiture, là. C'est pas Élise Lucet, elle avait pas interviewé Zerator? Le cache investigation sur les streamers, là. Elle sait qu'on existe, ça arrive fort. Moi, je balance, moi. Moi, y'a plus d'amis, rien. Fouki dans le sas, quoi. Les vapeurs de vodka, c'est banger. Oh, je pense pas, hein.
tampon imbibé dans le cul. Oui, bien sûr. Vous voulez qu'on se fasse un petit test là en live? Un petit tampon là? Et si on s'enfonce directement la bouteille directe, le goulot de la vodka dans le cul. Et on attend. C'était mon chouchou à une époque qui me disait que quand il avait fait ses études de médecine, il travaillait en urgence et que souvent, ouais. Arrivait plus souvent qu'on croyait les gens qui s'enfonçaient des trucs bizarres dans le fiacos. Enfin des trucs bizarres. Des trucs un peu huge quoi. Enfin, chacun fait ce qu'il veut avec son fiacos, tu vois, mais. Genre, tu mets une bouteille mais c'est bloqué, bah ouais, normal. Oui le verre ça casse. Ah bah oui, quand t'as du verre. Oui, quand t'es bloqué avec du verre pilé dans ton trou de balle, oui. Oui bah oui. À moins de se faire plaisir autrement. J'étais à l'hôpital. Pour un trauma crânien, un mec a dû passer devant moi parce qu'il avait un déo en spray coincé dans le cul. On a un mur complet en salle de pause avec les objets retirés des fiacos des gens. J'ai vu que là, il y avait un Chinois qui avait un énorme mal de tête et qui allait aux urgences. Pour un énorme mal de tête, et ben c'était quelqu'un qui avait enfoncé deux baguettes dans son crâne, par le nez. Et le mec se demandait pourquoi il avait mal au crâne et il y a des gens qui ont enlevé deux baguettes dans le nez d'un mec. Baguette de pain, non, baguette en bois pour manger. Parfois, ouais. On se doute pas, hein, on se doute pas de ce que les gens peuvent s'enfiler dans les orifices. Le lore du jeu est pas mal. Bah le lore du jeu, c'était un one man. Tu fais tout le travail d'un village, voilà. Je pense que c'est fin de carrière pour Russian. Russian Simulator, là. Les pots. Ça vaut le coup? Je sais pas si ça vaut le coup, hein. Freddy! Voilà. Oui. C'est beau. Le temps que ça épargne, on va s'occuper de Freddy. Parce que papa, il s'est pas occupé de Freddy pendant 5 jours, là. Donc Freddy, pas content, hein. Hein? Freddy, pas content. Il a raison. Papa, faut qu'il arrête de faire ça. Hein? Papa, faut qu'il arrête de faire ça. Papa, il faut qu'il s'occupe de moi. T'es jaloux, t'es trop jaloux, Thémis. Pet de Thémis comme ça. Il y a un pet de Oliver. Et là, on peut faire un pet de Thémis là. Regardez. J'essaierai de faire un gif comme ça. Ouais, ouais, ok. Ok. Non, c'est de la merde. Oh, 1800, c'est pas beaucoup, hein. Ouais. Ah, c'est ciao, Mintos. Mérité. Ouais, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Oui. Oh, putain. À chaque fois, putain. Quand c'est pas Fred, quand c'est pas Hortense, c'est Xavier, quoi. Juste dis oui, mec. Ouais, mais j'étais concentré sur ce que je faisais. Et moi, quand je suis concentré sur quelque chose et qu'on me parle, ça me fait peur. Ok. Compréhensible. Désolé. Ça va? Oui. Hein? Ça va, mec? Et toi? En fait, il faut pas transporter des objets métalliques. Oh putain, oui! Oh non, d'accord. Pourquoi, hein? Parce que la foudre te tombe dessus, sinon. C'est ouais. Breath of the Wild. Et attention, si jamais les amis, les nids d'abeilles. C'est aussi métallique dans le jeu. Ça Faut lâcher, les objets s'il y a un truc qui va vous tomber dessus. Bah là t'as un nid d'abeille là. Ah merde. Oh, attends. Voilà. Genre... qui est mort? Ça continue? Ah mais c'est cul de sac là. Cul de sac. Ah oh, putain de merde. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une grosse grenouille. Ah. Y'a rien les amis hein. J'ai vu l'araignée derrière lui. Bah super, on va voir. Ça va aller le coup de venir ici. Et le blob il va nous spawn kill là, regardez bien. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi t'es venu en même temps, idiot? Oh non. Ah bah oui. Attends. Tape-le. Ok. Antoine. Bon, adieu. Allez. Antoine. Bah, c'était bien. Oh putain, on est piégé. Il va tomber. Attends, il va tomber. Il tombe pas. Non! Mais c'est impossible! Allez, salut les guys! Bâtard! Non! Oh, qu'il est bête! Non,
Merci. Oh non, je sais pas où c'est. Attends. C'est là, je crois. Donc, attends, je crois que j'ai vu. Il y a de la bière ici. Eh bah franchement, on a pas mal de bah trucs. Là, on a pas mal de trucs en vrai déjà. Moi, j'ai plus de slot là. Moi aussi. Ouais, bah venez. Il y a des bruits, il y a des bruits. Attention, il y a une merde. Ah, il m'a poursuivi. Ah, non, m'a bouffé. Attends, je sais ce que je vais faire. Attends, prends ma lampe torche et prends la clé. Je me suicide, j'annule son vote. À toutes. Mais c'est quoi ce plan de con? Ok, Mintos, il faut qu'on trouve la sortie. Ouais. Ah, y'a un monstre. Ah. Moi, j'y vais. Mintos, vas-y en premier. Ouais. Parce que nous, on a des objets avec Bagheera. Vas-y. Et puis la tête est brillante. Vas-y. Vas-y. Bon, mais je crois que la barre est là en vrai. Je suis tombé à l'envers de mon âme, c'est l'arceau. Vous êtes sûr qu'il y a une barre là? Et c'est juste avancé? Il y a une barre, t'inquiète. Non mais essaye, vas-y. Il y a plein de lumière. On va où? À droite. Bon, moi je suis là. Ouais, les gars, attention, y'a un monstre, Bagheera, tu vas mourir si tu vas. Elle doit y aller. Je tente. Non, mais y'a plus. Les... faut faire quoi pour pas trigger l'araignée? Attention, y'a une mine ici. On peut passer devant l'araignée, ça fait rien? Oui, Elle y voit rien. Ok, c'est bon. Vas-y, viens. C'est bon. Oh putain, non, c'est... J'ai fait peur. Oui. Ouais, voilà. Oh putain. Cauchemar. T'es con. Allez, faut y aller. On a besoin de loot, là, allez. Ah, vas-y, on te regarde. Ah, il est en colère. Oh les bâtards.